Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 1 d'Alias Curse 5. Ouh, combien de fois je vais me tromper de numéro pendant cette run? C'est à voir. Avant de commencer quoi que ce soit, l'intro de ce jeu, genre, ne m'a jamais vraiment marqué. Genre, c'est classique comme intro, y a rien de spécial par rapport à l'intro de Noir et Blanc. Mais en la regardant maintenant, la première chose qui m'est passée par l'esprit, c'est « Bordel, j'adore la 5G ». Bref, si vous n'avez pas vu l'épisode 0 de présentation des règles, je vous encourage à aller le voir, parce qu'il sera bien plus complet pour vous expliquer tout ce qui va se passer. Mais pour faire un résumé très succinct, la run est super randomisée, mais à chaque fois que je bats un badge, il y a une chose random qui se retire. Voilà. Et c'est toujours dans le même ordre. Donc, ce qui est randomisé dans cette run, c'est les starters. Comme d'habitude, hein, deux Pokémon qui peuvent évoluer deux fois. Mais sont aussi randomisés les Pokémon sauvages en Similar Strength, les Pokémon des dresseurs en Similar Strength, les objets au sol et tenus par les Pokémon sauvages, les attaques dans les CT et les Move Tutors, les capacités spéciales, les attaques apprises par level up, les évolutions avec une limite d'évolution, un Pokémon ne peut pas évoluer 3 fois quoi, maximum 2 fois, et les bastas sont shuffle, et ça va, les randoms vont se retirer dans l'ordre inverse de ce que je viens de dire. Donc après le premier badge, les bastas reviendront à la normale. C'est pour ça que les Bastats sont que j'ai laissé Bastat Shuffle parce que j'aime pas changer les Bastats. Mais et les évolutions, c'est un peu bizarre aussi, mais je l'ai mis en deuxième parce que j'ai envie que ça ait un impact, les évolutions, même si ça c'est un peu le bordel, etc. Le deuxième badge dans Noir et Blanc, faut savoir que j'ai une limite de niveau et une limite d'objet, mais surtout une limite de niveau. La limite de niveau pour le deuxième badge est de 16, donc tous les Pokémon qui évoluent après le niveau 16, ben en fait les évolutions random vont avoir aucun impact. Donc j'aimerais bien que ça ait un minimum d'impact quand même, juste pour le fun, puisque ça va partir au deuxième badge. Donc c'est pour ça que c'est mis en deuxième position et pas en première. Oui, Bastard Shovel c'est chiant. Donc en sachant aussi que les randomisations sont toujours les mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une ROM randomisée différente avec un truc en plus à chaque fois, avec un truc en moins à chaque fois. C'est une ROM, en fait, pour créer cette ROM, j'ai randomisé une même ROM 9 fois avec à chaque fois un truc différent en partant de la fin. Donc j'ai fait une ROM où j'ai randomisé juste les starters et les Pokémon sauvages, puis j'ai randomisé les dresseurs, puis j'ai randomisé les objets au sol et ainsi de suite. Ce qui veut dire que si sur la route 19 maintenant, il y a Rattata et Bulbizarre, même quand j'aurai 6 badges, il y aura toujours Rattata et Bulbizarre. Voilà. Bianca avec un gros chapeau, ne pas oublier. Et voilà, la randomisation est la même. Je sais pas si ça aura beaucoup d'importance, mais ça pourra en avoir. Et première chose à faire, comme toujours, mettre la vitesse du Xtax à 3, animation de combat avec choix, style de combat choix, et j'espère que ça va le rester, parce que si je perds mon starter durant cette run, je passe en défini pour cette run et la run suivante, et si je passe en défini pour la run suivante, je suis mort. Je veux voir mon numéro ID, parce que j'ai envie. Non, ça c'est les badges, j'ai dit mon numéro ID. Fini par 3, ok. 45783, est-ce que c'est... Non, c'est pas un nom premier, c'est divisible par 3.
ça fait 1520. Non, ça fait 15261 quand on le divise par 3. Ça, c'est facile à diviser. Une sauvegarde parce que faites ça. Quand vous commencez un jeu Pokémon, vous changez les options et vous sauvegardez. Et vous regardez votre niveau ID si ça vous plaît. C'est pour le choix de starter. Même si, je vais vous faire une confidence, je sais déjà quels sont les starters random. C'est à cause du processus de randomisation. Comme j'ai dû commencer par randomiser les starters, après que dans le randomizer, même quand je ne randomisais pas les starters à chaque fois, mais il m'affichait les starters qui étaient random quand même, donc je sais quels sont les trois, mais je vais vous laisser la surprise à vous. Oui, je connais le Pokédex, c'est génial. Et une chose que je n'ai pas précisé, parce que je l'ai probablement précisé 25 000 fois dans ma vie, et que j'ai pas envie de faire en sorte que la vidéo soit trop longue, mais la musique de Pavonet est ma musique de jeu vidéo préférée, et donc voilà. Et donc je pourrais rester là à l'écouter pendant à peu près 20 heures, mais je vais pas le faire pour que la vidéo aille un minimum vite. Donc, ça c'est dit, voilà, c'est l'un-random lock. J'ai jamais fait de run comme ça. Toutes les 4 runs précédentes, j'avais déjà fait au moins une fois ces règles-là dans une autre run par moi-même. Cette fois-ci, je l'ai jamais fait. Et j'ai basiquement fait aller à Skurs rien que pour pouvoir donner une excuse de faire cette run. Et vous remarquerez que la run commence avec énormément de random, plus de random que toutes les autres, et va se finir avec aucun random. Enfin, à part ce que j'aurai de vestiges du random dans mon équipe. Et la run se finit avec aucun random, c'est aussi pour une... C'est pas juste une coïncidence, c'est fait exprès. Genre, oui, j'ai tout prévu. Non, ça c'est l'école des dresseurs, c'est la reine, je sais. Donc oui, je n'ai même pas précisé, mais ce personnage ne s'appelle pas Matisse. Il ne s'est jamais appelé Matisse, ce personnage s'appelle Ziva, bien sûr. Et Matisse est probablement mon rival préféré de la série, parce que c'est un personnage. Waouh, c'est étonnant, hein, ce genre. C'est vrai que avant la 5G, on n'était pas habitué à avoir des personnages dans Pokémon, hein, mais oui. Bon, il pleure pour un chacripant, mais petit à petit, ok, on va laisser Game Freak développer ses personnages petit à petit, peut-être qu'en 2030, ils feront un bon jeu. Bref, au final, on peut passer les cinématiques dans Épée Bouclier, je sais plus. Bref. Bonjour. Oui, c'est moi. Enfin, Léa, c'est le personnage que je contrôle. Je ne m'appelle pas Léa, mais je l'ai créé, donc ce serait bizarre, parce que ça veut dire que je me serais créé moi-même. Est-ce que tu veux bien essayer de compléter le Pokédex? La vérité, c'est non. Surtout que je l'ai déjà fait, va sûrement me battre le Guri, tu auras les dates exactes. Et voici les starters. Alors, il faut se dire que les attaques sont random. Les bas stats sont random, mais on s'en fout, parce qu'elles vont revenir à la normale après le premier badge, et dès que mon Pokémon montera de niveau, les bas stats originelles vont reprendre l'avantage. Donc, ces bas stats shuffle, elles vont vraiment disparaître. Les attaques qu'il apprend vont pas forcément disparaître si je les efface pas, même quand les attaques random ne seront plus là. Donc, il faut choisir entre Granivol, qui a un cri de Grucui. Cri de Grucui, c'est difficile à dire, hein. Un Solochi, qui a un cri de Vipélière, et un Poichijon. Alors, j'ai un problème avec chacun de ces Pokémon. Solochi évolue niveau 50, puis au niveau 64, c'est non. Juste, c'est non. Granivol, j'ai déjà eu un Cotovol dans mon équipe, et en plus, c'est pas le meilleur Pokémon à avoir en starter, et Poichijon est un Poichijon. Donc je vais prendre Granivol. Pourquoi? Parce que même si je l'ai déjà eu dans mon équipe, déjà, j'aime pas Déflaisant et Trioxide, bon, c'est un de mes j'aime bien Trioxide, c'est un pseudo légendaire bien, mais je vais pas me taper un diamant jusqu'au niveau 50, ma limite de niveau c'est 56. Je pourrais même pas avoir de Trioxide. Aucun de ces Pokémon n'évolue avant le niveau 16, donc les évolutions random ne vont pas avoir d'influence sur mon starter. Je voulais dire un truc, et je sais plus quoi, mais oui, et Granivol, normalement, c'est un moveset de merde, ça commence avec Tempête et Charge, et je précise, comme d'habitude, le Nuzlocke n'a pas commencé, donc j'ai pas des Pokéballs, c'est pas grave si je perds mon premier combat contre Ziva, mais sauf que là, les attaques sont random, tous les Pokémon commencent avec 4 attaques, et ils ont probablement des stabs, donc je vais peut-être avoir un stab plante et un stab vol sur mon Pokémon, et du coup, je préfère avoir des attaques plante et vol que des attaques normales et vol. Voilà, c'est dit, hein. Et évidemment, il y a toujours une chance qu'il y ait d'autres trucs. Alors, Granivol, en plus, pour le surnom que je veux donner, c'est le meilleur. Est-ce que c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle, ok. J'aurais préféré une femelle, mais c'est pas grave.
Alors, j'ai pas encore parlé de mon thème de surnom, et ça c'est toute une histoire qui pourrait remplir 3 épisodes. Midori, ça veut dire vert en japonais. Et du coup, type plante, vert, ça colle. Je sais pas, Midori, je trouve ça plus féminin comme nom, c'est pour ça que j'aurais préféré une femelle, mais pourquoi pas après tout. Passons mes stéréotypes de prénoms intérieurs. Hein. Et voyons un peu... Voilà, c'est mieux comme ça. Discret de nature, plus attaque spé, moins vitesse. C'est nul. Moins vitesse pour un cotovol, c'est nul, c'est genre c'est la seule bonne stat. Trancherbe, accro, bah si. Alors, ah oui, parce qu'en fait, le truc c'est que, normalement, donc la façon dont je vais devoir expliquer la façon dont je randomise tous les trucs. La façon dont les attaques sont randomisées, c'est que... Le randomizer va privilégier les attaques qui sont du type du Pokémon, mais pas forcément. Je pense que j'ai moyen de mettre le nombre d'attaques offensives, je sais plus. Mais je pense que je l'ai mis à genre beaucoup, 60%, quelque chose comme ça. Et le randomizer va faire aussi en sorte que les attaques offensives sont dans l'ordre croissant de leur puissance. Il va pas mettre, il va pas faire, là Midori va pas apprendre Écosphère au niveau 5 et Volvie au niveau 26, vous voyez. Le truc c'est que Acrobatie dans le donné du jeu c'est une attaque à 55, mais là en vrai c'est une attaque à 110. J'ai un stab à 110 de puissance au premier tour. Genre je m'en fous hein, que le alors que l'on soit bien clair, le Poichijon, le Ziva va avoir un Poichijon, il va me défoncer parce qu'il a probablement un stab vol. Mais c'est pas grave. Parce que ça ne compte pas encore. Ok, donc Trancherbe c'est bien. Genre Acrobatie c'est très bien. Aéropique si jamais il y a des trucs. Implore si jamais j'ai envie de dérober des objets. En plus, regardez, approche avec un air angélique, c'est génial. Alors, mon nom, de thème de surnom, c'est pas du tout les couleurs en japonais. En fait. Bon, déjà, je vais barrer Midori sur ma liste. En fait, mon thème de surnom, c'est. Tous les mots qui apparaissent dans le nom des jeux Pokémon. Ça a l'air débile, ça l'est. Mais vous en faites pas, je vais pas faire des trucs vraiment... Je vais pas aller jusqu'à appeler un Pokémon version, quoi. Oui. Même si j'aurais pu. En fait, j'ai ici une liste avec tous les mots des spin-off, des choses ainsi, genre Batrio, Stadium, Box, Colosseum, XD. Ce serait très marrant d'appeler un Pokémon XD, cela dit. Battle, Révolution, en deux mots. Ranch, Dream, Radar, Bank, Home, Channel, Poképark, Wii, Le Monde des Vœux. Enfin bref, tous des trucs ainsi. Et j'ai aussi le nom de toutes les versions en français, j'avais pas besoin de noter. En anglais non plus, mais je l'ai quand même noté. En allemand, en italien, en espagnol et en espagnol. Et pour les versions rouge, vert, bleu, non, ouais, rouge, vert, bleu, or et argent, j'ai aussi les noms en japonais et coréen. Pourquoi seulement celle-là? Parce qu'à partir de Crystal, les jeux japonais et coréens utilisent le mot anglais. Et ils transcrivent juste le mot anglais en japonais ou en coréen. Donc il n'y a pas, genre, je vais pas appeler mon Pokémon Crystalu, vous voyez. Bon. Mais pour rouge, bleu, or, argent et vert... Ils ont le nom en japonais, et donc j'ai choisi Midori parce que bah, c'est la première version japonaise avec rouge, et c'est la version qu'on n'a pas eue, donc ça me semblait bien. En plus, type plante, c'est parfait. Allez. Alors par contre, un truc que j'ai oublié de faire quand j'ai randomisé, c'est que Ziva va garder son starter pendant tout le jeu jusqu'à ce que les dresseurs soient plus random. Quand les dresseurs sont plus random, il n'aura plus son Poichijon, ce qui est dommage, parce que ça veut dire qu'il y a moyen de faire en sorte que quand vous randomisez les starters mais pas les dresseurs, le rival garde quand même son starter random et a son autre équipe complètement identique. Ça aurait été extrêmement marrant que je n'oublie pas ce truc parce qu'il aurait eu deux défaisants dans son équipe, juste pour ça. Genre, on a des définitions différentes de marrant, je sais, c'est pas grave. Piqûre, oh mais c'est bien. Qu'est-ce que tu fous? T'as sérieusement pas de stab vol? Enfin, je m'en fous, hein. Je viens de te faire une attaque à 165 de puissance, mais... Ah voilà, cruel, je me disais aussi. Oh, bon, c'est pas grave, le Nuzlocke n'est pas fini. Je n'ai pas de limite, je n'ai pas de combat défini, vous en faites pas. Ça a pas commencé. Bon, par contre, faudrait que je trouve un Pokémon qui est pas fait face type vol pour combattre Ziva au range d'Amid, parce que sinon ça va pas aller. J'ai une limite de niveau.
Elle est de 12 pour Cheren. Donc je pense que je l'ai expliqué dans l'épisode des règles, mais en gros, je suis parti avec l'idée de base que j'avais, qui était 3 niveaux en dessous du plus, haut, du plus fort Pokémon du prochain dresseur important, donc champion maître de la ligue. Et pour les 4 premiers champions, puisque 3 niveaux c'est quand même assez brutal comme chute, j'ai fait un niveau pour les 2 premiers champions et 2 niveaux pour les, pour les champions 3 et 4, ce qui correspond au niveau dans lequel ils sont en mode easy. Donc je trouvais que voilà, ça donne un truc. Pour le reste, j'ai gardé à moins 3, donc ma limite de niveau pour Cheren c'est 12 parce que son Ace est niveau 13. Ouais. Tiens d'ailleurs, ce serait marrant s'il y avait un truc qui randomisait les magasins. Enfin, ça doit être possible dans les vieilles générations parce que l'Universal Pokémon Randomizer est un outil génial, mais qui n'est plus publié depuis le 23 juillet 2016. Ce qui fait 4 ans donc. Enfin, maintenant quand je dis ça, il n'est pas publié, peut-être qu'il va avoir une update en 2016, on peut toujours rêver. Enfin, 2020, je voulais dire. Ouais, 10 Pokéballs, j'en achète 10 de plus. J'ai une limite d'objets de soins par combat. Je peux utiliser que 5 objets de soins par combat. Je précise objets de soins, les Pokéballs ne comptent pas, les attaques plus ne comptent pas. Donc autant avoir des les potions, on s'en fout. Et j'ai toujours pas les chaussures de sport. Mais je vais les avoir bientôt. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et oui, pour le thème de surnom, j'avais pas prévu ça au début. Au début, j'avais fait un truc encore plus débile. Tous les mots dans tous les titres de jeux Mario. Donc j'ai la liste des jeux Mario qui vient du Mario Wiki. Donc tous les jeux Mario, Yoshi, Donkey Kong, Wario, hein, tout l'univers. Et les Game & Watch aussi. Et les jeux où il y a un caméo de Mario dedans. Ou en tout cas, genre il y a Minecraft dedans. Parce que y a des skins Mario, je pense. Et y a un jeu EA de snowboard parce que Mario est un personnage jouable dedans. Enfin, un truc débile comme ça. Et y a les jeux Smash aussi. Bref. Mais c'était pas juste je vais choisir moi-même le nom. Non, j'avais été voir sur internet comment faire pour coder un petit programme en Python pour prendre tous les noms des jeux, les séparer par mots, retirer tous les mots qui sont doublons et me faire la liste un mot par ligne dans un fichier texte que j'ai ensuite pris sur random.org pour randomiser l'ordre et comme ça je me dis je suis la liste des mots et ça va être mes surnoms de Pokémon et ça faisait des trucs super débiles. Mon starter se serait appelé Oil par exemple parce que Oil Panic c'est un Game & Watch. Donc je pense que mon deuxième Pokémon se serait appelé Brosse 2 points. Voilà. Brosse point 2 points, parce qu'il y a toujours point à la fin de Brosse. Ça aurait été n'importe quoi. Je n'ai même pas regardé sa capacité spéciale, c'est vrai, Corps Sain empêche les stats du Pokémon de baisser, c'est très bien ça. Alors, je dois vous avouer que je ne sais pas si quand les capacités spéciales random seront retirées, est-ce qu'ils garderont leurs capacités spéciales random? Ou est-ce qu'ils reprendront la normale? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Les attaques, ils garderont leurs attaques. Les bastats, ils vont reprendre leurs anciennes bastats. Mais pour les capacités spéciales, j'ai un doute. En tout cas, les bastats ici, évidemment, c'est pas grave d'avoir de moins en vitesse parce qu'apparemment, c'est pas une bonne stat pour Midori randomisé. Les PV n'ont pas l'air bons non plus parce que 18 PV niveau 5, c'est pas beaucoup. Bonne attaque SP, bonne attaque, bonne défense spéciale. Bon, bah écoutez, de toute façon, ce sera pour un badge. Hein, donc... Et ça va faire un peu bizarre d'avoir 6 Pokémon dans mon équipe. Mais bon, 6 Pokémon dans mon équipe, ça va arriver après le premier badge. Parce que dans la 5G, ils adorent avoir très peu de Pokémon au début en Nuzlocke. Hein. Enfin, ils adorent. Ils ne nous ont pas fait exprès, ils n'en ont rien à foutre du Nuzlocke. Mais... donc, comme rencontre, j'ai mon starter. Je vais avoir Route 19, Route 20, Ranch d'Amid. Waouh, un Chakripan. C'est scripté, donc c'est normal qu'elle rencontre un Chakripan. On peut pas randomiser le tuto de capture, c'est dommage. Enfin, en 5G, je veux dire. Route 20, Ranch d'Amid, et ça va être mes 4 Pokémon pour la première arène, c'est tout. Et puis, pour la deuxième arène, je vais avoir 2 rencontres à la zone industrielle d'Onde-sur-Mer, à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que je juge que ne pas avoir une équipe complète avant le deuxième champion, c'est un peu chiant. Ouais. Donc c'est pour ça que je m'autorise 2 rencontres, surtout que c'est random et donc c'est vraiment des trucs complètement différents. On est encore assez tôt dans le jeu pour le permettre, je trouve. Voilà. Chakripan t'attraper, c'est génial. J'avais vraiment besoin de ça. Et c'est vrai que j'avais pas besoin d'attraper des Pokéballs, elle va m'en donner 43 000. Oui, la carte, oui, je sais, la carte, je suis la carte.
Mais oui, donc ce que je dis avec Mario, c'est que, en fait, au début, je voulais faire ça, je voulais faire, donc, dans l'ordre. Ah mais non, elle m'en a déjà donné, hein, elle m'avait déjà donné 10. Non, je voulais faire dans l'ordre les mots random, et puis je me suis dit que il allait avoir tellement de Pokémon avec des noms nuls, genre tellement nuls, genre, que ça allait un peu les... Genre, ça allait... Comment dire? Ça allait... Je cherche la traduction du mot lesson en anglais. Hein, amoindrir l'attachement qu'on peut avoir pour eux. Quand les Pokémon ont des noms vraiment débiles, c'est plus difficile de s'y attacher, je trouve. Et c'est pas grave quand ils ont un nom inventé qui veut rien dire, en tout cas en français. Mais quand vos Pokémon s'appellent Brosse, point, deux points... Ah, voyez. Maxi Pépite, génial. Je vais pas pouvoir la vendre. Et ma rencontre de la route 19 est un Remoraid. Ok. Un Pokémon de type eau, c'est pas plus mal. J'aime bien le type eau, c'est mon type préféré, donc... je n'ai pas changé le catch rate, par contre, donc je ne connais pas le catch rate de Remoraid, j'espère que c'est pas 45. Sinon, je serais un peu déçu. Non, Remoraid, ne me donne pas de faux espoirs comme ça. Météor, ok. Ok, 2 PV de dégâts, ça va. Je ne veux pas utiliser mon Honor Ball, tu n'es pas assez important, Remoraid. Bon, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'elle ait envie de rejoindre mon équipe, mais c'est pas grave, je te le dis franchement. 3, bon, forcément. Donc, ok, d'accord. Non, mais je peux pas lui faire acrobatie, elle va crever. Je peux pas lui faire trancherpe, elle va crever. J'ai 11 en attaque, hein. Je suis le granivole le plus dangereux de la Terre, attention. Enfin, Midori est le granivole le plus dangereux de la Terre. Hein. Non, j'ai pas envie. C'est quoi le trancherbe? Qu'est-ce que tu fais avec trancherbe? Je m'en fous, je double résiste. Est-ce que tu pourrais pas avoir une attaque haut? Dis-moi que t'as une attaque haut quand même. Parce que t'as 4 attaques de départ, c'est censé être préfère same type. T'es mono haut, t'as intérêt à avoir une attaque haut. Hein. J'ai vraiment pas envie de lui faire aéropique, je ne sais, genre, c'est 90 de puissance et elle a 3 niveaux en moins que moi et je sais pas c'est quoi sa défense. Ah ça y est, c'est une attaque haut. Merci. Genre, j'ai déjà utilisé une potion pour rien, quoi, merde. Remoraid, Pokémon Jet. 60 cm, 12 kg. Son puissant jet d'eau ne manque jamais sa cible, même à plus de 100 mètres de distance. C'est génial. Alors, Remoraid, si mes souvenirs sont bons, est incapturable dans Cristal. Donc on va l'appeler Cristal. Avec un Y. Parce qu'en anglais, c'est Cristal avec un Y. En français, c'est cristal avec un i, parce que c'est comme ça que le mot est écrit, hein. Et je vais barrer cristal de ma liste, voilà. Et d'ailleurs, en espagnol, cristal, c'est cristal aussi, enfin, comme en français. Ah, cristal ne tient à rien, c'est dommage. Naïf de nature, moins défense P plus vitesse, je pense que quand les bastats seront normales, ce sera bien. Est-ce que j'ai dit la route 20 tantôt? C'est la route 19 ici, hein. Statique. Ok, et la nature plus vitesse a l'air d'être pas mal. Ah, saumure. Je le savais qu'elle avait saumure, elle me l'a fait pendant le accéléré que j'ai passé parce que j'avais pas. Tranchère, météore et bluff. Bluff, c'est bien. Bluff, c'est bien, j'adore bluff. Quand j'étais petit, je détestais cette attaque parce que je comprenais pas l'utilité d'une attaque qui fonctionne qu'une fois par combat. Mais non, en fait, bluff, c'est génial. Ça s'y joue en plus, ça peut être sympa. Saumure, c'est un super bon stab aussi, 65, c'est bien. Ok, bon, ben, même si elle m'en fait un peu baver, je suis en train de me dire que j'aurais peut-être pu, genre, modifier les catch rates pour qu'ils soient un peu plus faciles, parce que, genre, si je tombe sur un Terral, je vais pleurer, hein. Surtout que, là, ça va pas être un Terral qui va spammer Bélier, ça va être un Terral qui va me sortir probablement Psycho Boost, hein, tant qu'on y est. Alors, le thème de Goya, c'est bien. Genre, le thème de rencontre de Goya, pas le thème de combat de Goya. Le thème de combat de Goya est nul. C'était un des plus nuls de tous les thèmes de champion. C'est le plus nul de tous les thèmes de champion, en fait. J'ai jamais entendu vraiment ce que c'est le thème de champion de Epic, donc je peux pas dire. Mais ça peut sûrement pas être pire que le thème de Goya.
Le meilleur thème de champion, c'est lequel? C'est Cynthia. C'est Cynthia. C'est le meilleur maître de la ligue. Genre, Cynthia. Genre, Cynthia, c'est pas, elle participe pas seulement au Pokémon World Tournament, elle organise le Pokémon World Tournament, vous voyez? Genre. Donc, s'il fallait désigner le maître des maîtres, c'est Cynthia. C'est pas Red, parce que Red, c'est pas un maître. Red devient maître et puis il a trop chaud, donc il va se rafraîchir sur une montagne Wigrel, tu vois, donc ça compte pas. Et on est en automne pour le jeu, ce qui veut dire que... ce qui veut dire que je peux accéder à des objets qui sont inaccessibles dans les autres saisons, donc ce qui est cool. Et je ne peux pas accéder... aux hautes herbes avant d'avoir battu Gamma Morgan, ce qui est dommage. Mais bon, ça aurait été cool d'être monté niveau 6 pour un doudouvet. Oh, un doudouvet, c'est bien ça. C'est fait fastidieux vol ça. Ce serait bien d'être monté niveau 6 d'avoir battu le Poichijon, mais c'est pas grave. Sable volant de doute, bien sûr, oui, bien sûr. Alors, pour les capacités spéciales, il y en a. Elle s'assuit les évolutions. Donc, il y a peut-être des chances que une évolution change une capacité spéciale, mais en général, ça suit. Il n'y a aucune capacité spéciale négative. Donc, il n'y aura pas d'absentéisme, il n'y aura pas de normalisme, il n'y aura pas de début calme. Une dernière chose, il n'y aura pas de... Garde mystique, sauf pour Munja. Munja, même quand on randomise les capacités spéciales, garde mystique parce que sinon ce Pokémon ne servira encore plus à rien et je dois combattre Fillette, je sais plus quoi non plus. Ah. Je voudrais bien mettre Crystal en première position, mais au niveau 2. Je vais la mettre en première position, je suis sur Midori s'il faut. Midori a les défenses pour. Ton Pokémon est adorable, si tu me sors un Snubbull, je te jure que. Beryl, c'est ça. Un Paraycool. Alors, un pari cool qui a pas absentéisme, ça fait peur. Je vais me taper des Monaflémites et je sens que je vais avoir... Quoique, j'allais dire, je sens que je vais avoir peur, mais... Quand on sera arrivé au moment où je combattrai des Monaflémites, il y a peut-être des chances qu'il n'y ait plus de... les capacités spéciales soient déjà plus randomisées, parce qu'elles sont, retirées après le 4e badge. Donc je pense que si je rencontre un Monaflémite, il aura absentéisme, ça va. Météore, ok, il m'a fait quand même des dégâts, mais je peux lui faire acrobatie. Boum! Acrobatie, Carolina est fière. Ton Chakrépan, le plus mignon, c'est génial, mais c'était pas un Chakrépan, c'était un Paraycool. Mais bon, soit. Oui! Alors, dommage, j'aurais bien aimé le bandeau choix sur Midori pour qu'il puisse nous faire des acrobaties, mais acrobaties... Genre, j'augmente son attaque par 1,5, mais je divise sa puissance par 2, donc le bandeau choix n'est pas une bonne idée pour Midori. Pour Crystal, est-ce qu'elle pourrait en profiter? Ah, Trancherbe, c'est physique, mais ses deux autres attaques sont spéciales, et Bluff, ça marche pas vraiment avec un bandeau choix, mais je vais à faire une rencontre, donc... Qui sait? Peut-être que je vais avoir un Pokémon sur la route 20 qui va te faire foutre. Je sais que qu'il a pas Gribouille parce que c'est un Kyurem. Mais je sais qu'il a pas Gribouille et donc ça peut être bien. C'est un Kyurem. Et Kyurem, il va apprendre que Gribouille après le troisième badge. Et Kyurem, ça a genre 260 de basta total. Bon, ok, pas 260, c'est peut-être un peu peu. Quoique. Mais c'est nul. Donc, si il résiste à cette acrobatie, il a le droit de vivre et je l'attrape. Il est mort, quel dommage, j'ai pas de rencontre pour la route 20 et je vais devoir faire la première arène avec trois Pokémon. Est-ce qu'un Kyurem est pu aider pour la première arène? Oui. Est-ce que j'ai envie d'avoir un Kyurem? Non. Voilà. Est-ce que je prends Feuille Magique au lieu de Trancherbe? J'ai pas regardé son attaque spéciale. Elle est nature moins attaque spéciale, hein. Non, elle est nature plus attaque spéciale. Plus attaque spéciale, moins vitesse. Non. Pourquoi je dis elle? C'est il. Il a une nature plus spéciale, donc oui, Feuille Magique, c'est bien. Bon, c'est de la tristesse, pas de rencontre, mais oui. J'aurais pu l'attraper, hein, mais j'avais vraiment l'impression que ça allait être des efforts pour rien, on va dire. Voilà.
Oh, regardez, je suis à Améide. Et j'ai trouvé une flûte bleue, c'est génial, ça sert à rien. Genre, non, sérieux, ça sert à rien. Je pense que ça sert plus à rien. Ça sert à rien au combat en 5G. Ils ont retiré cette fonctionnalité, je sais pas pourquoi. Et bienvenue au ranch d'Améide. Avec la haute herbe qui n'existe pas. Y a pas de rencontre. C'est genre, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ils se sont un peu foirés sur leur map de collision, je sais pas quoi. Bon, ma rencontre du ranch d'Améide et j'espère pas un Keloyor. Si vous allez voir, c'est un Aragdo. Bon, j'aurais préféré un Aragdo. Bon, au moins, ça a pas. Ça, au moins, allez, on va rester positif. Ça n'a pas Marc Ombre et ça a des attaques psy. Donc ça peut être sympa. Je vais lui faire feuille magique. Il est niveau 5, donc ça va. Balbrume. Bah voilà. Bon. Tu es la tiasse tout à coup, c'est bien. Je vais lui refaire feuille magique. Je pense qu'un ok, ça a pas des super trucs. Mais vous savez pourquoi? C'est pas grave. C'est pas grave parce que ok, évolue au niveau 15. Donc ce truc va évoluer en pas en culbute ok. Donc on s'en fout en fait. On s'en fout, c'est genre, c'est presque comme si c'était pas un ok. Et pour Crystal, elle évolue niveau 25, donc ça on s'en fout, elle sera un Nokiri. Je vais utiliser une potion parce que j'ai un peu peur pour ma vie là quand même. Coquillame, ouh, une attaque, oh génial. Bon, j'ai trois Pokémon. Alors ce qui est bien, c'est que. Je suis en train de me dire que le Chiren a probablement une baie orange sur son nez. Je pourrais utiliser un Plore pour l'avoir. Et la baie sera utilisée dès que Midori aura au moins de la moitié de ses PV. Et après, je pourrais faire acrobatie correctement. Bref, ok, Pokémon ravi. 60 cm, 14 kilos. Il se muscle en bousculant ses semblables lors des mêlées. Il raffole des fruits sucrés. Génial. Mais en même temps, les fruits pas sucrés, c'est moins bon de base. C'est une règle. Bon, alors, ok, est apparu dans Ruby Saphir, donc on va lui donner un nom de. On va lui donner un Ruby ou Saphir. Je vais l'appeler Rubino. C'est Ruby en italien. Je vais prononcer ça Rubino de la manière la plus française et insultante possible. Wait, c'était un pléonasme. Et. Je m'en fous, je suis pas français. Et voilà, hein, c'est comme Tletia dans la run précédente. Voilà. Alors, Rubino, qu'est-ce que tu tiens, mon petit Rubino? Tu tiens un anti-brûle. Génial. Quelque part, loin à Kanto, au fond de son arène, Auguste est content. Relax de nature, moins vitesse, plus défense. Pourquoi pas? On dirait que ses PV sont passés sur sa défense fait, parce que ok, ça a beaucoup de PV. Ah ouais, mais si les PV max de mon Pokémon il baissent quand il monte de niveau après avoir retiré les Bastats Shuffle, est-ce qu'il va tomber KO? Si c'est le cas, évidemment le KO comptera pas parce que ce serait un peu con. Frein! Alors, on va espérer que tu n'es pas frein en évoluant parce que sinon je vais être un peu déçu là. Hein. Mais vous allez dire, à la limite, il a une nature moins vitesse et il a frein. Donc je sais qu'il va attaquer après à chaque fois. C'est pas au final le nerf en vitesse, enfin le fait que la nature baisse la vitesse, on s'en fout. La vitesse va jamais être utile de toute façon. C'est bien en fait, c'est poétique parce que d'habitude l'attaque et l'attaque spéciale d'un Pokémon, enfin d'un ok, sert à rien. Genre il y a quelques cas éventuels, mais généralement ils attaquent jamais offensivement donc ça sert à rien. Et bien là c'est la vitesse qui sert à rien, voilà. Avec Balle Météo, Crève-Cœur, Balle Brume et Coquillame. Mais Balle Brume, un stab à 70, c'est bien quand même. Je m'attendais à avoir des stabs à 40, moi, hein, au début du jeu. Mais là. Ok, c'est cool. Et maintenant, il faut que je m'entraîne parce qu'il y a mon rival qui va arriver avec un Poichigeon. Donc. Je pense aussi que ok, n'apprend rien par level up jusqu'au niveau 15 où il évoluera. Donc. Donc c'est pas grave. Donc la prochaine fois, ce sera le ranch. Et voilà, donc bienvenue dans la run précédente. J'ai que 3 Pokémon dans l'équipe. Hein, c'est Trinité. Non. Non.
je pourrais avoir plus que ça. Et là, je vais avoir besoin de mes deux rencontres à la zone industrielle dans ce stream. Si je pouvais faire en sorte de retirer les Kelorior de la randomisation, je l'aurais fait. Aussi. Je ne peux pas le faire, donc tant pis. Ah oui, j'aurais encore un dresseur à faire. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais m'arrêter ici. C'est déjà un premier épisode bien conséquent, on va dire. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Que ce soit le cas ou pas, j'invite à mettre un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé. Et quant à moi, je vous retrouve dans l'épisode 2 d'Aliasker 5.